Veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Je donne maintenant la parole au professeur Maurice Kamto. Vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs de la Cour, c'est un honneur renouvelé de prendre la parole devant vous au nom de la Guinée équatoriale que je remercie pour sa confiance dans la présente affaire. Mes confrères vous ont rappelé le contexte du différend soumis à votre auguste juridiction, clarifié la question de la propriété de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris, faisant partie de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale, ainsi que les circonstances factuelles de l'affectation du dit immeuble. Il m'échoit à présent d'aborder ce qui est désormais le cœur du litige, dès lors que la Cour a jugé, dans son arrêt rendu le 6 juin 2018, sur les exceptions préliminaires, qu'elle n'a compétence que sur la base du protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends en ce qui a trait au statut de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris en tant que locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges, la question que la Cour est appelée à trancher est celle de savoir si l'immeuble en question constitue les locaux de la mission de la Guinée équatoriale au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et si oui, si la France n'a pas respecté l'inviolabilité de cet immeuble en tant que locaux de la mission de cet État et par suite a violé ses obligations au titre de la Convention de Vienne précité. La Guinée équatoriale soutient que, conformément à la Convention de Vienne, pour qu'un immeuble acquiert la qualité de locaux de la mission, il suffit que l'État accréditant affecte l'immeuble aux fins de sa mission diplomatique. Naturellement, la notification de cette affectation à l'État accréditaire est nécessaire pour que celui-ci puisse s'acquitter de ses obligations. Mais la Convention ne contient aucune exigence d'obtenir le consentement de l'État accréditaire. Certes, la Convention n'interdit pas à l'État accréditaire d'imposer une obligation d'obtenir son consentement. Mais si cet État en décide ainsi, il doit le faire de manière claire, transparente et non discriminatoire, en respectant sa législation ou sa pratique générale, si elles existent. En d'autres termes, il doit agir en conformité à la lettre et l'esprit de la Convention de Vienne, faute de quoi il violerait ses obligations au titre de cette Convention. Afin d'étayer cette position, la Guinée équatoriale établira d'abord que l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris constitue les locaux de la mission de la Guinée équatoriale avant de montrer ensuite que la France, État accréditaire, a violé ses obligations en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. D'abord, l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris constitue les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Il est établi que la Guinée équatoriale est propriétaire de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris. Mon confrère Jean-Charles Tshikaya vient d'en faire un rappel éloquent. Certes, du point de vue de la protection offerte par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la propriété de l'immeuble n'est pas déterminante. Mais dans la présente affaire, elle est importante.
Sur le plan théorique, lors même que la Guinée équatoriale n'aurait pas été propriétaire de l'immeuble en question, celui-ci demeurerait tout de même les locaux de sa mission en vertu des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne. Toutefois, dans la présente espèce, la Guinée équatoriale n'utilise l'immeuble 6 au 42 avenue Foch comme locaux de sa mission qu'en sa qualité de propriétaire. À cet égard, la Guinée équatoriale rappellera d'abord la définition de la notion de locaux de la mission contenue dans la Convention et les rôles respectifs de l'État accréditant et de l'État accréditaire dans l'établissement des 10 locaux. Elle montrera ensuite qu'en l'absence de toute autre règle d'application générale et non discriminatoire imposée par l'État accréditaire, en l'occurrence la France, dans le respect de la Convention de Vienne, la désignation de ces locaux par l'État accréditant est valide et la contestation par l'État accréditaire d'une telle désignation doit se faire dans le respect du droit international. D'abord, la définition de la notion de locaux de la mission diplomatique par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et les rôles respectifs de l'État accréditant et de l'État accréditaire. La Guinée équatoriale rappellera d'abord que la Convention donne une définition objective de la notion de locaux de la mission. Elle exposera ensuite que l'utilisation des 10 locaux suppose leur désignation préalable et soutiendra enfin que la Convention de Vienne ne requiert pas le consentement de l'État accréditaire pour qu'une telle désignation soit valide. Premièrement, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques donne une définition objective de la notion de locaux de la mission diplomatique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, bien que vous l'ayez entendu à plusieurs reprises depuis le début de cette procédure, il n'est pas superflu de rappeler ici les dispositions pertinentes de la Convention à cet égard. Au terme de l'article 1er I de la Convention qui est maintenant à l'écran, je cite « L'expression « locaux de la mission » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de mission. » Fin de citation. Au regard de cette disposition, c'est l'utilisation des locaux aux fins de la mission qui détermine son statut diplomatique. C'est en cela que cette définition peut être considérée comme objective, car chacun peut constater factuellement si les locaux en question sont utilisés aux fins de la mission. On peut remarquer que cette disposition est silencieuse sur les rôles respectifs de l'État accréditant et de l'État accréditaire quant à la désignation des locaux utilisés aux fins de la mission diplomatique. Mais la Guinée équatoriale soutient que ce rôle revient au regard du texte, du contexte, de l'objet et du but de la Convention, et surtout en l'absence de toute autre règle d'application générale et non discriminatoire imposée par la France dans le respect du droit international à l'État accréditant. En effet, comme je vais maintenant vous le démontrer, l'utilisation des locaux diplomatiques suppose leur désignation préalable. Monsieur le Président, la France a tenté de crier sur ce point, et ce, depuis le début de la présente procédure, une fausse impression dans l'esprit de la Cour sur ce qu'elle appelle, encore dans sa duplique, les nouvelles contradictions de la Guinée équatoriale ou encore les nouvelles variations de la Guinée équatoriale
quant à la date du début d'utilisation des locaux de l'immeuble du 42 avenue Foch. Elle voit ces contradictions dans le fait que, d'une part, la Guinée équatoriale a écrit dans sa requête qu'après avoir acquis l'immeuble en question le 15 septembre 2011, elle l'a affecté à sa mission diplomatique et, d'autre part, que dans sa lettre du 4 octobre 2011, la Guinée équatoriale déclare qu'elle, je cite, « dispose depuis plusieurs années d'un immeuble situé au 42 avenue Foch, Paris 16e, qu'elle utilise pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique sans qu'elle ne l'ait formalisé expressément auprès de vos services à ce jour. » Fin de citation. La France ajoute de manière emphatique que, je cite, « jamais la Guinée équatoriale n'a apporté le moindre début de preuve au soutien de cette affirmation. » Fin de citation. Et n'hésite pas à accuser la Guinée équatoriale de duplicité quand celui-ci considère cette prétendue contradiction de peu d'importance. À vrai dire, il s'agit là, de la part de la partie adverse, d'une tentative d'embrouiller l'affaire par des digressions et des insinuations malveillantes afin de détourner l'attention du cœur du différend et d'échapper à sa responsabilité pour violation de ses obligations internationales. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Guinée équatoriale a écrit dans sa lettre du 4 octobre 2011 qu'elle disposait depuis plusieurs années d'un immeuble 6 au 42 avenue Foch qui est utilisé pour l'accomplissement de sa fonction. La France ne saurait adopter sur ce point un ton aussi offensif, alors qu'à cette ordre-là, elle n'est pas exempte de reproches. En effet, la France déclare, par exemple, que, je cite, « le service du protocole du ministère français des Affaires européennes et étrangères veille attentivement à ne pas adresser officiellement sa correspondance au 42 avenue Foch à Paris », fin de citation, en se gardant de dire de quand date cette pratique, à supposer qu'elle soit établie. Or, elle date seulement du 24 juillet 2019, c'est-à-dire bien après le dépôt de la réplique de la Guinée équatoriale dans la présente affaire, alors que le différend entre les deux États ayant donné lieu à la présente procédure remonte à 2011. Au demeurant, comme la Guinée équatoriale vient de le démontrer, diverses autorités françaises, principalement le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ont continué à adresser leur courrier au 42 avenue Foch, à Paris. La plus récente de ces correspondances date du 9 octobre 2019. Les termes clés dans la définition de la notion de locaux de la mission diplomatique que j'ai rappelé il y a un instant sont, je cite, « utilisés aux fins de la mission ». Fin de citation. L'affectation et l'utilisation s'inscrivent dans un même processus et peuvent être concomitantes ou séparées dans le temps. Le but ultime de ce processus est de concrétiser l'intention de l'État accréditant de faire de l'immeuble désigné les locaux de sa mission. La position de la France épouse sur ce point celle de la Guinée équatoriale, comme l'atteste le passage suivant du contre-mémoire de la France. Je cite « La notification officielle et préalable par l'État accréditant de son intention d'affecter des locaux au service de la mission suffit généralement au ministère pour leur reconnaître le bénéfice du régime de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. » Fin de citation. Ainsi donc, pour des raisons incompréhensibles, la France ne change de position en la matière que vis-à-vis de la Guinée équatoriale. Dans sa lettre du 4 octobre 2011,
La Guinée équatoriale déclare, je répète, qu'elle dispose depuis plusieurs années d'un immeuble situé au 42 avenue Foch qu'elle utilise pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique. Fin de citation. La seule date qui importe vraiment au fin de la présente procédure, c'est le 4 octobre 2011. C'est pour ainsi dire la date critique. D'une part, celle à laquelle la Guinée équatoriale désigne à l'État accréditaire l'utilisation de l'immeuble en question aux fins de sa mission diplomatique. D'autre part, la date à partir de laquelle la France aurait dû accorder à ses locaux les protections prévues par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, le cas échéant, demander à la Guinée équatoriale de faire une telle désignation des locaux de sa mission conformément à la législation française en la matière, si une telle législation existait, ou conformément à la pratique française en vigueur, si une telle pratique était établie. Or, ni une telle législation, ni une telle pratique n'existe. L'État accréditant, même en ayant écrit qu'il dispose depuis plusieurs années de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch, ne revendique pas la protection des locaux de sa mission diplomatique pour la période antérieure à la date critique du 4 octobre 2011. Il est à cet égard cohérent depuis le début des présentes procédures. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, la France veut faire grand cas de ce que la Guinée équatoriale puisse désigner un immeuble pour servir de locaux de sa mission avant le déménagement de tous les services et documents officiels. Cela n'est ni étrange, ni contraire à la Convention et plus largement au droit international. Il en est ainsi de la Convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des États, qui exonère de toute mesure de contrainte les biens utilisés à des fins diplomatiques. Une disposition pertinente de cette convention évoque précisément, je cite, « les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États ». Fin de citation. Cette disposition établit ainsi, que le souligne un auteur, je cite, The bridge between the regimes of diplomatic immunity and state immunity. Fin de citation. La Convention de 2004 codifie une pratique internationale qui reconnaît que la désignation par l'État accréditant de ses locaux diplomatiques précède leur utilisation et fonde l'inviolabilité. L'auteur en question ajoute jurisprudence à l'appui. Je cite, courts may also accord immunity on the mere basis of a foreign state's statement that it intends to use the property, especially the embassy premises, at any time in the future for the performance of diplomatic functions, even if at the time at the taking of measures of execution it was not so used. Fin de citation. Dans la même veine, la Cour suprême de Suède a statué que, je cite, according to state practice, the relevant time for assessing whether the use was of such specific nature that the property should be protected from enforcement was the time the claim was filed as the Swedish Enforcement Authority. Fin de citation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, à la lumière de ce qui précède, la position de la Guinée équatoriale est conforme à la Convention de Vienne et à la pratique des relations diplomatiques entre les États. La désignation par un État accréditant
marque bel et bien le point de départ de l'inviolabilité des locaux de sa mission. Il n'est guère nécessaire d'en référer au consentement de l'État accréditaire lorsque ce dernier n'a pas adopté une législation ou une pratique d'application générale transparente et non discriminatoire en la matière. S'agissant maintenant de la désignation des locaux de la mission diplomatique, elle ne requiert pas le consentement de l'État accréditaire. Monsieur le Président, pour la France, je cite, « conformément à la lettre et l'esprit essentiellement consensuel de la Convention de Vienne, les locaux de l'État accréditant, que l'État accréditant souhaite utiliser aux fins de sa mission diplomatique, ne peuvent l'être que lorsque l'État accréditaire y consent, a fortiori, ne s'y oppose expressément pas à la suite de la notification réalisée par l'État accréditant. » Fin de citation. Cette interprétation résulte d'une pratique que la France semble avoir mise au point face à la Guinée équatoriale et face à elle seule. Il s'agit d'une pratique circonstancielle dont l'État accréditaire, dans cette affaire, n'a pas pu montrer qu'elle a jamais existé auparavant. Selon la thèse française, pour que des locaux soient identifiés comme locaux de la mission et bénéficient du régime de protection découlant de ce statut, il faut, d'une part, que, je cite à nouveau la France, l'État accréditaire ne s'oppose pas expressément à l'octroi du statut diplomatique et, d'autre part, que l'immeuble soit affecté de manière effective aux fins de la mission diplomatique. Fin de citation. Ces deux conditions sont cumulatives, selon la France. Je m'en tiendrai ici à la première condition, celle de l'affectation ayant déjà été examiné par Maître Francisco Evouy. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de souligner que la France n'a pas répondu dans sa duplique aux nombreuses interrogations de la Guinée équatoriale relatives aux incidences de ces différentes et nombreuses pratiques qu'elle invoque sur l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, rien dans la Convention de Vienne ne permet de soutenir que la désignation des locaux de la mission requiert le consentement de l'État accréditaire. Des auteurs faisant autorité dans l'étude de cette Convention et la pratique des États y afférentes vont dans ce sens, tout comme la pratique française elle-même jusqu'à la survenance des faits à l'origine du présent litige. La Convention de Vienne est explicite lorsque ses rédacteurs ont cru nécessaire de soumettre un acte ou un fait de l'État accréditant au consentement de l'État accréditaire. Voyez la liste des articles concernés à la note 16 des présentes plaidoiries. De même, quand les rédacteurs de la Convention ont entendu soumettre le comportement ou tout fait de l'État accréditant à sa notification à l'État accréditaire, ils l'ont expressément mentionné. Je prie là aussi la Cour de voir la liste des articles concernés à la note 17 des présentes plaidoiries. Par conséquent, par comparaison, même dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires, lorsqu'on a estimé que le consentement de l'État accréditaire était requis, la Convention l'a dit expressément, notamment en son article 4, paragraphe 1, je cite, qui dit « Un poste consulaire peut être établi sur le territoire de l'État d'accueil seulement avec le consentement de cet État. » Fin de citation. Le texte et le contexte de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ne laisse donc aucune incertitude quant à la validité de la position de la Guinée équatoriale dans la présente affaire.
la désignation des locaux de sa mission n'est pas subordonnée au consentement de la France. Pour soutenir que la désignation n'est valide qu'en cas de non-opposition ou par consentement implicite de l'État accréditaire, la France s'appuie, faute de dispositions explicites dans la Convention, sur un paragraphe du préambule qui parle des individus pour démontrer ce qu'elle considère comme, je cite, « des abus possibles de la part de l'État accréditant ». Fin de citation. On ne voit pas en quoi la désignation de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris comme locaux de la mission de la Guinée équatoriale viserait à favoriser un individu, puisque comme on l'a montré, l'immeuble en question était la propriété de l'État de Guinée équatoriale au moment où celui-ci l'a désigné comme locaux de sa mission et non pas le bien d'un quelconque individu. Ce faisant, la Guinée équatoriale ne pouvait commettre et n'a commis aucun abus possible au regard de la Convention de Vienne. Le harcèlement dont sa mission à Paris fait l'objet depuis plusieurs années maintenant ne lui permet pas d'assurer l'accomplissement efficace de ses fonctions diplomatiques en tant que représentant de l'État. Or, telle est précisément la ratio legis de la Convention de la vie de la Guinée équatoriale. Dans sa duplique, la France prétend que la procédure en matière d'exemption fiscale en ce qui concerne la résidence de l'ambassadeur est celle qu'aurait dû suivre la Guinée équatoriale au sujet de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch comme locaux de sa mission. Dans ce qui s'apparente au fond à une énième variante de ce que la partie adverse considère comme, je cite, « juste reflet de la pratique française », fin de citation, il n'apparaît nulle part que l'affectation réelle ou le consentement de l'État accréditaire détermine la reconnaissance du statut diplomatique à un immeuble, ainsi que la Guinée équatoriale l'a fait valoir dans sa réplique et son contre-mémoire, et dans sa réplique au contre-mémoire de la France. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges, suite à une procédure en référé engagée par le syndicat de copropriétaires du 40-42 avenue Foch en vue d'astreindre la Guinée équatoriale à libérer les parties communes de l'immeuble des drapeaux, affiches et plaques disposées pour signaler la localisation de sa mission diplomatique, le juge français compétent s'est appuyé sur la notification de la note verbale du 4 octobre 2011 pour rejeter les demandes des requérants qui contestaient le statut diplomatique de l'immeuble. Le juge déclare, je cite, qu'il résulte d'une note verbale du 4 octobre 2011 adressée par l'ambassade de la République de Guinée équatoriale au protocole du ministère des Affaires étrangères de la République française que cet État a entendu affecter les locaux du 40-42 avenue Foch à l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique. Fin de citation. À aucun moment, le juge ne se demande si la France a donné son consentement à la désignation de l'immeuble comme locaux de la mission. Cette décision du juge français est conforme à la position soutenue par la Guinée équatoriale. Je voudrais démontrer maintenant qu'au regard de la Convention de Vienne, la France ne pouvait agir de la sorte qu'en l'absence d'une réglementation ou d'une pratique claire appliquée de façon cohérente et non discriminatoire. Je répète, démontrer qu'au regard de la Convention de Vienne, la France ne pouvait agir de la sorte en l'absence d'une réglementation ou d'une pratique claire appliquée de façon cohérente et non discriminatoire. En l'absence de formalités énoncées clairement et appliquées sans discrimination, la Guinée équatoriale soutient
que la désignation des locaux de sa mission est concluante, que la contestation par l'État accréditaire d'une prétendue désignation abusive des locaux d'une mission doit se faire dans le respect du droit international. D'abord, la désignation des locaux de sa mission par l'État accréditant est concluante. Lorsque l'État accréditant a procédé à la désignation des locaux de sa mission diplomatique en notifiant les autorités compétentes de l'État accréditaire, les locaux en question sont présumés avoir acquis le statut de locaux de la mission diplomatique. S'il n'en était pas ainsi, l'État accréditant serait placé dans une situation d'incertitude et de précarité dans l'attente du consentement de l'État accréditaire. En effet, l'immeuble considéré comme locaux de la mission ne pourrait pas bénéficier de la protection offerte par la Convention aux locaux de sa mission diplomatique et ne pourrait donc pas assurer l'accomplissement efficace de ses fonctions diplomatiques en tant que représentant de l'État. Monsieur le Président, si l'État accréditaire peut s'opposer à la désignation par l'État accréditant des locaux de sa mission, je le répète, il ne peut le faire qu'en référence à sa législation ou à sa pratique en la matière, comme la Guinée équatoriale l'a montré dans son mémoire et dans sa réplique. Lorsqu'une telle législation ou pratique n'existe pas, comme dans la présente espèce, l'État accréditaire ne peut le faire qu'en concertation avec l'État accréditant. Il s'agit d'une exigence de transparence qui seule permet de respecter les principes de légalité et de non-discrimination entre les États. À supposer même fonder la thèse française du consentement explicite ou implicite, elle ne pourrait être valable que dans ce contexte. Au demeurant, si, comme l'écrit la France dans son contre-mémoire, la lettre et l'esprit de la Convention sont essentiellement consensuels, entre guillemets, elle ne dénonce l'unilatéralisme de la Guinée équatoriale qu'en lui opposant son propre unilatéralisme. En effet, elle oppose à la Guinée équatoriale le refus de reconnaître à l'immeuble 6 au 42 avenue Foch le statut de locaux d'une mission diplomatique sans aucune concertation avec l'État accréditant et de manière manifestement arbitraire. Au nom du consensualisme qu'elle préconise en la matière, la France aurait dû au moins avoir des discussions avec la Guinée équatoriale avant son refus. Il n'en a rien été. La Guinée équatoriale réitère qu'il n'y a dans la lettre de la Convention aucune disposition qui accorde un rôle prépondérant à l'État accréditaire. Dire, comme le prétend la France, que, je cite, « la désignation des locaux de la mission diplomatique dans la capitale de l'État accréditaire reste en tout état de cause subordonnée à l'approbation tacite de ce dernier », fin de citation, c'est faire dire à la Convention ce qu'elle ne dit pas. La libre désignation par l'État accréditant des locaux de sa mission respecte le but et l'objet de la Convention de Vienne, notamment la règle des immunités qui vise à favoriser l'accomplissement efficace des fonctions diplomatiques à l'abri des intrusions et interférences de l'État accréditaire. La France a tort de penser, comme elle l'écrit dans sa duplique, que le délai d'une semaine qu'elle a pris pour donner suite à la note verbale du 4 octobre 2011 constitue une preuve de sa diligence pour ne pas laisser la Guinée équatoriale dans l'incertitude. Si l'on se fiait à son consentement implicite, l'immeuble 6 au 42 avenue Foch constituerait les locaux de la mission de Guinée équatoriale durant le temps où celle-ci est sans réponse de la France. Il y aurait ainsi une forte emprise de l'État accréditaire sur le choix par l'État accréditant des locaux de sa mission diplomatique. C'est fort de cela que la notion de locaux de la mission
doit inclure, comme n'a eu de cesse de le plaider la Guinée équatoriale, les immeubles qu'un État destine aux fonctions diplomatiques. La France a rejeté cette interprétation en prétendant que la Guinée équatoriale soutenait l'application de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles de l'État. Et cette convention, même inapplicable en l'espèce, est éclairante. Les deux États parties l'ont ratifiée. Elle est le reflet du droit international coutumier et il est cohérent de vouloir interpréter la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en l'harmonisant avec un instrument qui porte sur la même matière, à savoir les biens destinés aux fonctions diplomatiques de l'État. Enfin, la France a tort de prétendre que la position de la Guinée équatoriale s'assimile à une présomption irréfragable. La portée de cette présomption est du reste conforme à l'importance que les États reconnaissent à la règle de l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique, qui a été déjà rappelée par cette honorable Cour ainsi que par la doctrine pertinente. Le point de départ de la protection des locaux de la mission ne tient pas compte du consentement de l'État accréditaire. Faisant un état des lieux de la position des tribunaux, un auteur écrit « Courts have generally refrained from drawing negative inferences from the sending state's refusal to establish the use of a given diplomatic property or for its refusal to provide any evidence regarding the claimed use. In this context, citing the prohibition of interference in matters within the exclusive competence of the sending state, they have refrained from requiring that the sending state provide details concerning the existence of the past, present or future purposes of diplomatic property, such as funds in embassy bank accounts. Instead, they tend to accept at face value foreign ambassadors' certificates that a property is used for sovereign diplomatic purposes. » Fin de citation. Ainsi se résume l'état du droit sur la question qui divise les parties. La désignation par l'État accréditant des locaux de sa mission est concluante aux fins de l'acquisition du statut diplomatique pour les 10 locaux. J'en viens maintenant au fait que la constatation par l'État accréditaire d'une désignation abusive des locaux d'une mission doit se faire dans le respect du droit international. Monsieur le Président, c'est un principe de base du droit international que lorsqu'un État souscrit à ses obligations internationales, il est tenu de les respecter de bonne foi. La Guinée équatoriale et la France sont tous deux parties à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. C'est dans ce cadre que doivent s'organiser leurs relations diplomatiques. Si la France estimait que la Guinée équatoriale a fait une désignation abusive des locaux de sa mission diplomatique en France et voulait s'en assurer, elle ne pouvait le faire que dans le respect du droit international, à commencer par les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne, qui prescrivent notamment l'inviolabilité des locaux d'une mission. Or, la règle de l'inviolabilité énoncée à l'article 22 de la Convention de Vienne est absolue. Je rappelle que votre Cour elle-même a expliqué que, je cite, « même en cas de conflit armé ou de rupture de relations diplomatiques, ces dispositions obligent l'État accréditaire à respecter l'inviolabilité des membres d'une mission diplomatique aussi bien que celle de ses locaux, de ses biens et de ses archives. » Fin de citation. La France a violé de diverses manières cette règle. C'est ce que la Guinée équatoriale entend démontrer maintenant.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la lettre du 4 octobre 2011 de l'ambassadeur de Guinée équatoriale au ministre français des Affaires européennes et étrangères constitue, nous l'avons dit, le point de départ de l'acquisition officielle du statut de locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale par l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris. C'est à partir de cette date que les locaux en question sont couverts par l'inviolabilité prévue par la Convention de Vienne. Or, après le 4 octobre 2011, la France a, par divers actes ou omissions, porté atteinte à l'inviolabilité de ces locaux de la mission de la Guinée équatoriale et à la dignité de la mission de ce pays. Par ailleurs, la France n'a pas respecté les critères qu'elle considère applicables à la désignation des locaux de la mission par interprétation de la Convention de Vienne et, ce faisant, a violé l'obligation de non-discrimination. D'abord, les actes par lesquels la France a porté atteinte à l'inviolabilité et à la dignité de la mission de la Guinée équatoriale. Il s'agit de la perquisition de la police française du 14 au 23 février 2012. Deuxièmement, la saisie pénale de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch le 19 juillet 2012. Troisièmement, la confiscation pénale de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch par le tribunal correctionnel de Paris en date du 27 octobre 2017, confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 février 2020. D'abord, la perquisition de la police française du 14 au 23 février 2012 des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale est une atteinte à l'inviolabilité de la mission diplomatique de ce pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, à partir du 4 octobre, l'immeuble du 42 avenue Foch constituant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale avait droit à la protection prévue par la Convention de Vienne, en particulier l'inviolabilité énoncée à l'article 22. Or, pendant la période du 14 au 23 février 2012, les autorités françaises ont pénétré dans l'immeuble en question, l'ont perquisitionné et enlevé plusieurs objets ainsi que de l'ameublement. Elles l'ont fait sur le fondement erroné que l'immeuble relèverait, entre guillemets, du domaine privé. Ce faisant, la France a violé la règle de l'inviolabilité des locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Deuxièmement, la saisie pénale de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch, le 19 juillet 2012, porte atteinte au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention de Vienne. La France ne s'est pas limitée à la perquisition illicite au regard de la Convention de Vienne de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch, constituant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Le 19 juillet 2012, 5 mois après la perquisition, la France a procédé à la saisie pénale de cet immeuble. Et elle croit pouvoir minimiser la portée de cet acte extrêmement grave dans les relations diplomatiques entre les deux États en déclarant que, je cite, « la saisie immobilière n'a d'effet que sur le droit de la propriété de l'immeuble et ne saurait donc emporter méconnaissance de l'inviolabilité ». Fin de citation. Dans le cas d'espèce, la Guinée équatoriale est la propriétaire et l'utilisateur de l'immeuble aux fins de sa mission diplomatique. La saisie constitue au minimum un amoindrissement de la dignité de la mission au sens de l'article 22, paragraphe 2 de la Convention de Vienne. Elle est explicitement prohibée par le paragraphe 3 de l'article 22 de la dite convention. Troisièmement,
La confiscation de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch, en tant que peine de nature pénale, porte atteinte à l'inviolabilité, trouble la paix et amoindrit la dignité de la mission de la Guinée équatoriale. Monsieur le Président, le 27 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement par lequel il a, entre autres, prononcé une peine de confiscation de l'immeuble 6 au 42 avenue Foch, constituant les locaux de la mission diplomatique de Guinée équatoriale. L'effet suspensif attaché à l'appel de ce jugement avait retardé la vente aux enchères de cet immeuble comme conséquence normale de cette confiscation judiciaire. Mais si cet appel l'a retardé pendant un temps, la confirmation de cette confiscation en appel en date du 10 février 2020 place à nouveau l'épée de Damoclès au-dessus des locaux de la mission diplomatique de Guinée équatoriale en France, comme l'a montré Maître Tchikaya tout à l'heure. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, vous devez savoir la vérité sur ce qui est en jeu ici. La Guinée équatoriale utilise l'immeuble 6 au 42 avenue Foch comme locaux de sa mission, non en vertu d'un bail, mais, comme je l'ai dit, parce qu'elle en est le propriétaire. La saisie et, a fortiori, la confiscation de cet immeuble pourrait la priver de locaux de sa mission diplomatique en France. En effet, si la confiscation était exécutée, et on l'a montré tout à l'heure, elle ne peut être exécutée que parce que, dans les procédures pénales devant les juridictions françaises, le prévenu après l'appel, a saisi la Cour de cassation. C'est seulement dans ce cas que l'exécution de la confiscation n'a pas lieu. Donc, je disais que la confiscation de cet immeuble pourrait priver la Guinée équatoriale de sa mission diplomatique en France. Et si la confiscation était exécutée, la mission de la Guinée équatoriale en France serait à la rue. Voilà la vérité. Et comment pourrait-on réaliser la vente aux enchères sans porter atteinte à l'inviolabilité des locaux de la mission de la Guinée équatoriale, qui constitue une violation de l'article 22, paragraphe 1, sans que la paix de la mission ne soit troublée et sa dignité amoindrie, ce qui constitue une violation de l'article 22, paragraphe 2, et sans qu'on puisse parler de mesures d'exécution, ce qui constitue une violation de l'article 22, paragraphe 3. La France a violé l'obligation de non-discrimination de l'article 47 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'article 47, paragraphe 1 de la Convention prescrit formellement à l'État accréditaire de ne pas faire, je cite, de discrimination entre les États, fin de citation, dans l'application de la Convention. Mesdames et Messieurs de la Cour, dans sa lettre du 11 octobre 2011, que la Guinée équatoriale a mentionnée plus d'une fois, contrairement à ce qu'on a pu dire, la France estimait, je cite, qu'un immeuble relevant du statut diplomatique doit être déclaré comme tel au protocole avec une date d'entrée précise dans les locaux. Une fois les vérifications effectuées sur la réalité de l'affectation de l'immeuble, le protocole en reconnaît le caractère officiel auprès de l'administration française. Fin de citation. La France établissait ainsi, pour la première fois, dans un document écrit, une certaine procédure à suivre en matière de désignation des locaux d'une mission diplomatique sur son territoire. Je souligne, Monsieur le Président, qu'au demeurant, elle s'adressait uniquement au ministère français de la Justice pour les besoins des juges d'instruction français et non pas aux États, à tous les États, ni même à la Guinée équatoriale. Cette procédure soudaine
appelle plusieurs observations. Premièrement, la France n'a pas respecté sa propre procédure dans ses relations avec la Guinée équatoriale. En effet, elle n'a jamais procédé à une vérification entre le 4 octobre 2011, date à laquelle l'ambassade de Guinée équatoriale a informé le ministère des Affaires étrangères de l'utilisation de l'immeuble comme locaux de sa mission, et le 11 octobre 2011, date à laquelle le ministère a notifié son refus à l'ambassade. Deuxièmement, la procédure inédite contenue dans la lettre de la France du 11 octobre 2011 n'était pas édictée dans un document de portée générale. Elle s'adressait, comme je l'ai dit tout à l'heure, au ministère français de la justice pour les juges d'instruction français et non pas aux États. Elle n'avait pas été appliquée lors de l'établissement des locaux de la mission de Guinée équatoriale au 29 boulevard de Courcelles. Il s'est donc agi d'une mesure ciblée contre la Guinée équatoriale. Celle-ci ne peut dès lors considérer ce comportement de la France que comme arbitraire et discriminatoire, en violation de l'article 47, paragraphe 1 de la Convention. Troisièmement, le comportement arbitraire et discriminatoire de la France est accentué par le fait que la France refuse formellement le statut de locaux de la mission diplomatique de Guinée équatoriale à l'immeuble 6042 avenue Foch, mais le reconnaît de facto. Les autorités françaises se rendent à la mission diplomatique de la Guinée équatoriale au 42 avenue Foch à Paris pour obtenir leur visa d'entrée en Guinée équatoriale, devenant subitement oublieux de leur refus de lui reconnaître le statut de la mission diplomatique de ce pays. Lorsque la Guinée équatoriale a relevé cette contradiction, la partie adverse, afin de minimiser la portée d'un tel comportement, se bornant à rappeler, je cite, « son attachement à la relation bilatérale », fin de citation, et la nécessité de, je cite, « permettre l'organisation des visites et d'échanges », fin de citation. La France s'offusque même de ce que la Guinée équatoriale s'efforce d'exploiter ces bonnes dispositions affichées par les autorités françaises pour tenter de faire valoir ses prétentions. La Guinée équatoriale aurait voulu que de telles bonnes dispositions ne soient pas à éclipse et qu'elles intègrent l'ensemble des relations diplomatiques entre les deux États. Cela nous aurait épargné cette procédure qu'elle s'est vue obligée de faire. Le pragmatisme ne doit pas devenir du cynisme. La Guinée équatoriale relève que la France a accordé une protection aux locaux du 42 avenue Foch qu'elle ne reconnaît pas en tant que locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Elle rappelle les propos d'un de ses conseils qui a déclaré, sans en apporter le moindre commencement de preuve, que la France l'a fait, je cite, tout en rappelant sa position constante. Fin de citation. Se citer soi-même pour prouver ce qu'on déclare, c'est ce que l'on appelle « self-serving evidence ». La France ajoute, du reste, que ce n'est pas sur le fondement de la Convention de Vienne qu'elle a pu accorder une protection particulière à l'immeuble du 42 avenue Foch, mais seulement par magnanimité et désormais parce qu'elle, je cite, « y est en l'état provisoirement tenu par le seul fondement de l'ordonnance de la Cour en date du 7 décembre 2016. » Fin de citation. J'ai donc envie de m'écrier « loué soit cette Cour qui permet à un petit État d'avoir la protection que la Convention de Vienne offre à sa mission diplomatique, mais qu'une interprétation personnelle d'une puissance et une pratique insaisissables peuvent l'en priver. » Et pourtant, même dans ce cas, la France, qui paraît si soucieuse, d'une part, de réviser
de respecter les décisions de la Cour, en l'occurrence l'ordonnance du 7 octobre 2016, d'autre part, d'éviter la détérioration des relations bilatérales avec la Guinée équatoriale, ne se montre pas très cohérente dans son comportement. Car alors, elle n'aurait pas requis et obtenu par le biais du ministère public qui est sous l'autorité du gouvernement, tour à tour, la saisie et la confiscation de l'immeuble constituant les locaux de la mission diplomatique de la Guinée équatoriale. Devant un tel comportement erratique qui met en cause la pierre angulaire du droit des relations diplomatiques entre les États et rend possible toute vie internationale, la Guinée équatoriale fait confiance à votre haute juridiction pour y mettre bon ordre, consciente que le principe de l'égalité des États, tout en n'ignorant pas les inégalités de puissance, permet la coexistence pacifique sur la base de la non-discrimination et du respect mutuel. En conclusion à cette partie de sa plaidoirie, la Guinée équatoriale réitère que, premièrement, la thèse française des conditions cumulatives pour l'établissement des locaux d'une mission diplomatique est sans fondement et, à vrai dire, dangereuse en raison de l'incertitude et de la précarité auxquelles elle expose les locaux de la mission diplomatique. Deuxièmement, même si l'État accréditaire est fondé à contrôler la désignation des locaux de la mission diplomatique, il doit le faire, comme en convient la France elle-même, suivant une démarche consensuelle en concertation avec l'État accréditant et non de façon unilatérale ou discriminatoire et, dans tous les cas, dans le respect de ses obligations internationales. Troisièmement, l'immeuble 6 au 42 avenue Foch à Paris a acquis le statut de locaux de la mission de la Guinée équatoriale en France à partir du 4 octobre 2011 et devait bénéficier à partir de cette date de la protection prévue par les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne. Dès lors, les mesures coercitives à son encontre par la France constituent des violations flagrantes de la Convention de Vienne, notamment les règles de l'inviolabilité des locaux d'une mission diplomatique, article 22 de la Convention. Cinquièmement, faute d'une réglementation française connue en matière d'établissement des locaux d'une mission, l'opposition à la Guinée équatoriale d'une procédure méconnue et ciblée sur cet État est un comportement arbitraire et discriminatoire contraire à l'article 47 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Ce disant, Monsieur le Président, j'ai terminé avec mes plaidoiries et je vous remercie, Monsieur le Président, de votre bienveillante attention et vous prie respectueusement de bien vouloir passer la parole à Sir Michael Wood pour la suite des plaidoiries de la Guinée équatoriale. Merci. Je remercie le professeur Kamto pour son exposé et je donne à présent la parole à Sir Michael Wood. Vous avez la parole. Mr. President, members of the court, as Professor Kamto has just explained, France has done Equatorial Guinea wrong by failing to recognize the diplomatic status of its embassy in Paris. To add insult to injury, France has repeatedly made wholly unjustified attacks on the motives of Equatorial Guinea in bringing its claims before this court, qualifying them as abusive. The court has already rejected such assertions, which find no support in fact or in law. It is likewise highly regrettable that France continues to call into question Equatorial Guinea's motives in acquiring the building at 42 Avenue Foch and in deciding to establish its embassy there. Such a posture is unworthy of France and is unacceptable in international relations.
France's attachment to such unfounded accusations seems more than anything to be an attempt to shift discussion away from the weakness of its own position as regards its own unlawful conduct. France's assertion that Equatorial Guinea has committed an abuse of rights is not supported by evidence. As I shall explain, the assertion is also logically inconsistent. France cannot at one and the same time say there are no rights and that there has been an abuse of rights. Even more fundamentally, France's attitude threatens to undermine basic tenets of the peaceful settlement of disputes. Mr. President, an abuse of rights is a very serious charge, especially when directed at a state. And here, a state that has turned to this court for the law's protection. As France itself concedes, and as the court's case law consistently affirms, a claim of abuse of rights has to be sustained by clear and convincing evidence. It cannot be based on disputable inferences. Bad faith cannot be presumed. Yet France has produced nothing but speculation in support of its allegations. In its counter-memorial, for example, it suggests that, and I quote, the timing of the events in this case is sufficient in itself. In its rejoinder, it says that for Equatorial Guinea not to have known that the building it acquired to serve as its embassy in Paris was subject to legal proceedings, and I quote, seems totally unlikely. It again says in its rejoinder that it is, and I quote, against all likelihood that Equatorial Guinea has searched for a new location for its embassy in Paris prior to these legal proceedings. France further suggests that it is, again I quote, a disturbing coincidence that Equatorial Guinea acquired ownership of the building prior to the intrusion of the French police into the building. Mr. President, such bald assertions are based on no evidence whatsoever. They do not even begin to meet the high evidentiary threshold required for establishing an abuse of rights. And in any event, we have shown them to be false. We have shown, Mr. President, that there never was any sinister strategy of the kind that France alleges. Even the partial and distorted account presented by France can hardly sustain such an allegation. The facts, as earlier set out by Maître Tchikaya and Maître Evoy, and in our written pleadings, point not to any abuse of rights, but to legitimate attempts by Equatorial Guinea to exercise and protect its rights by lawful and reasonable means. France acknowledges the weakness of its position by suggesting in its counter-memorial that to claim an abuse of rights, bad faith does not need to be proved. That hardly squares with the widely established understanding reflected in the court's case law, that a claim of abuse can only succeed when there is clear evidence and only in exceptional circumstances. While that language was used in the context of abuse of process, the court has considered that the basic concept of an abuse may be the same. I will not dignify France's allegations by responding to each one of them. Our earlier exposition of the facts has done that. But I would like to deal, and I must deal, with a couple of the more serious assertions repeatedly made by the French authorities and by the French courts. First, there is the suggestion that Mr. Obiang Mangye's appointment as Equatorial Guinea's second vice president in May 2012 was because of the proceedings against him in France. This ridiculous suggestion shows just how distorted France's account of the facts is. In reality, as we have explained, Mr. Obiang Mangye's appointment was part of a major government reshuffle as a result of a major constitutional reform following a national referendum. Next, France alleges that a letter sent by the President of Equatorial Guinea to the President of France
In February 2012 is an acknowledgement that the sale of the building was meant to shield it from proceedings in France. It is not. I would ask you to look carefully at the sentence relied upon by France now on the screen. Speaking of his son, the president wrote to the president of France, and this is the registrar's translation, "France was his preferred country, and as a young man, he purchased a residence in Paris. However, due to the pressures on him as a result of the supposed unlawful acquisition of assets, he decided to resell the said building to the government of the Republic of Equatorial Guinea." There is nothing here, nor in other evidence, to show that the sale was intended to shield the building. On the contrary, the letter simply indicates that because of the pressures on him, the president's son felt constrained to sell a property that was no longer of use to him because he no longer wished to reside in France. In the same vein, France refers disparagingly to Equatorial Guinea's attempts to stop the attachment of its embassy, and I quote, "through a considerable amount of diplomatic correspondence." Yet diplomatic correspondence was a reasonable way for a state to try and protect its embassy in the face of a growing threat posed by a receiving state that refused even to discuss the matter amicably. Mr. President, France's accusations of inconsistency on the part of Equatorial Guinea before this court are particularly puzzling. In essence, France has criticized Equatorial Guinea for specifying the date of 4 October 2011 as a critical date in terms of diplomatic premises status, even though it had completed the purchase of the embassy building 3 weeks earlier on 15 September. France then mentions that Equatorial Guinea has nevertheless protested on site when French police sought to enter the premises during the time between those dates, that is on September the 28th and 3 October. Whereas France sees inconsistency here, these actions were simply common sense and reasonable. The fact of the matter is that Equatorial Guinea acquired ownership of the building on the 15th of September 2011, intending to use it as its embassy. It did so before any measures had been taken or threatened against the building, including the initial searches that were later carried out by the French police on 28 September and 3 October. Equatorial Guinea did not expect the French police to seek to enter the premises on those dates. When they did, Equatorial Guinea's ambassador was there to tell them the purpose of the building. Following the intrusions into the building, Equatorial Guinea quickly notified France on 4 October that the building was indeed its embassy. Consistent with its position that notification suffices for such purposes, where no local procedure mandates otherwise, as Professor Camteau has just explained, Equatorial Guinea maintains that France acted in violation of the Vienna Convention, not on the 28th of September or 3 October, but only after it had notified the diplomatic status of the building. Where is the inconsistency that France accuses us of? If anyone has been inconsistent, it's France. As we explained in the reply, and as Professor Camteau has just recalled, France's arbitrary and discriminatory refusal to recognize the diplomatic status of Equatorial Guinea's embassy ran counter to past bilateral practice and to the inconsistent procedures outlined by France itself. Moreover, while the French criminal courts, misled by the Quai d'Orsay, wrongly treated the embassy building as private property, the French tax authorities had no hesitation in recording the transfer to Equatorial Guinea of the shareholder rights in the companies that owned the building. And they have also collected the taxes due for that transfer without any demur.
As much of you recalled, a French civil court ruled in October 2013 that the building was indeed diplomatic premises, and consistent with Equatorial Guinea's position before this court, so no need for any affirmation of the matter from the Quai d'Orsay. France has allowed its officials to go to the embassy building to obtain visas to enter Equatorial Guinea, while at the same time denying its status as diplomatic premises. It has addressed diplomatic notes to Equatorial Guinea's embassy, including, as we have shown in the last few months, by explicitly using its Avenue Foch address, a fact that we did not expect France to deny in its rejoinder. France refers to some of its own inconsistent behaviour as pragmatic measures or as merely practical arrangements, but it refuses to measure Equatorial Guinea's conduct by that same standard. In any event, the contradictions in France's approach are far more significant than such matters as Equatorial Guinea's occasional use of old embassy notepaper about which France has sought to make so much. Mr. President, France relies heavily on so-called facts adopted by the Tribunal Correctionnel in the course of the criminal proceedings launched against the Vice President, despite his immunity. But the findings of the investigating judges and of the French courts cannot be taken by this court as reflecting the truth. As we have shown in our written pleadings, the French judicial authorities, for whatever reason, adopted a thoroughly one-sided approach from the outset, using such terms as habillage juridique with regard to the sale of the building, and making unfounded accusations about Equatorial Guinea's government more generally. In addition, much of what France now points to in accusing Equatorial Guinea of abuse of rights postdates the French authorities' unlawful refusal to recognize the inviolability of the embassy, and indeed postdates the institution of the current proceedings before this court. This shows just how arbitrary France's actions were in deciding not to respect the embassy's status. Moreover, in relying on the findings adopted in the course of criminal proceedings, and in particular, relying on the reports of those who entered Equatorial Guinea's embassy in blatant disregard of its inviolability, France is seeking to benefit from its own unlawful conduct. This, we submit, should not be sanctioned. One may recall the fruit of the poisonous tree doctrine, known in most municipal law systems, which serves to prevent illegally acquired information from negatively impacting a defendant. Before concluding on abuse of rights, I need to make four brief points in the light of France's arguments in its rejoinder. First, France has demonstrated in this case the inherent potential for abuse of the doctrine of abuse of rights itself. France's conduct brings to mind Sir Hirsch Lauterpacht's words of caution. There is no legal right, however well established, which could not, in some circumstances, be refused recognition on the ground that it has been abused. The doctrine of abuse of rights is therefore an instrument which, apart from other reasons calling for caution in the administration of international justice, must be wielded with studied restraint. As we indicated in our written pleadings, such restraint is especially called for in the context of the law on diplomatic immunity, in which a claim of abuse of rights may jeopardize the very existence of the rights concerned. That is why diplomatic law contains specific remedies where the receiving state considers that there may have been an abuse. Receiving states may, for example, declare diplomats persona non grata or break off diplomatic relations, but they may not, as this court has previously had occasion to state in the strongest terms, and as the International Law Commission made clear
in its articles on state responsibility, take countermeasures, such as ignoring the inviolability of mission premises. The importance of this principle remains at least as great in 2020 as it was in 1979. Second, the abuse of rights doctrine, by its very terms, seeks to limit the exercise of rights that exist. For France to argue that Equatorial Guinea has committed an abuse of rights by designating the building at 42 Avenue Foch as its embassy is, well, it's to concede that Equatorial Guinea did indeed have the right to designate the building as its embassy. Third, since France itself claims that it has prevented Equatorial Guinea from exercising its right, again, it cannot claim that there was an abuse of rights, as the right in question was, according to its own account, never in fact exercised. Nor can France point to any injury caused to it, the existence of which is another fundamental element in any actual abuse of rights, as France too has accepted. Finally, in claiming an abuse of rights, France continues to refer not only to Equatorial Guinea's invocation of the rights provided under the Vienna Convention, but also to its recourse to the court in its attempt to safeguard these rights. In so doing, France effectively seeks to portray the present proceedings as an abusive process and thus to resuscitate a claim already rejected by the court. Moreover, challenging good faith efforts aimed at the peaceful settlement of disputes is certainly not something that should be encouraged. Mr. President, members of the court, before concluding, I'll turn briefly to the international responsibility of France. France spilt much ink in both its counter-memorial and rejoinder in trying to limit any findings of the court regarding its responsibility, in apparent recognition that its actions may indeed have been wrongful. France concedes in its written submissions that the searches carried out at the embassy premises and the non-recognition of the diplomatic status of the embassy may well have given rise to harm. They did indeed, and that harm continues. It is clear that the repeated intrusions into the embassy building and the persistent refusal of France to recognize its diplomatic status have had a lasting and damaging impact on its ability to serve its purpose. This was precisely the reason for the provisional measure sought by Equatorial Guinea with respect to the building, which the court indicated in December 2016. In seeking to evade responsibility for the attachment of the building by its courts, something which is clearly prohibited by Article 22, paragraph 3 of the Vienna Convention, France argues that the question of ownership of the building is not relevant to these matters within the court's jurisdiction. As Maître Chikaya has recalled, however, it is France itself that has repeatedly referred to this question of ownership when arguing that there has been an abuse of rights. Alongside cessation, full reparation is required for the injury caused by France's internationally wrongful acts. Satisfaction is clearly called for in the present circumstances, including assurances or guarantees of non-repetition, particularly because France has constantly sought refuge in the claim that the government has no way to communicate with the French courts. And this despite its own initial statement to the judges on 11 October 2011, which lies at the root of this whole sorry story. It is, I would suggest, quite ironic that France seeks refuge in the view that it cannot talk to its courts, it cannot express views to its own courts, when it was precisely the expression of views to its own courts and misleading them that led to the situation we're now in. Compensation for the damage that has been caused, both material and moral, is due as well. And we have already indicated our willingness to specify at a later stage the amount sought.
And finally, Mr. President, we must strongly reject France's suggestion that Equatorial Guinea contributed to the harm caused by France. That claim is founded on the same speculative and self-serving interpretation of the relevant events to which I referred earlier, and which we are confident the court will not accept. Mr. President, members of the court, with that, we conclude Equatorial Guinea's first round of oral argument, and we thank you for your kind attention. Je remercie Sir Michael Wood, dont l'exposé conclut le premier tour des plaidoiries de la Guinée équatoriale. La procédure orale en l'affaire reprendra demain, mardi 18 février, à 10 heures, au fin du premier tour des plaidoiries de la France. L'audience est levée.